Je m'appelle Florent, je suis ingénieur en informatique industrielle à CES depuis 24 ans. J'apporte mon expertise dans le développement de logiciels de vol sur les satellites et dans l'intégration des équipements satellites. Je mène d'autres missions, c'est-à-dire le développement de segments sol et puis des centres de mission, de centres de contrôle. En gros, aujourd'hui, je suis capable de couvrir tous les aspects de développement d'un satellite. Ma mission principale, c'est de travailler sur les prochaines générations de nanosatellites. En l'occurrence, je travaille sur les ordinateurs bord qui vont être utilisés sur ces nanosatellites, les OBC, onboard computers, et surtout de préparer donc les vols en formation qui seront réalisés par ces nanosatellites pour nos clients. Les challenges d'aujourd'hui et du futur donc, tournent autour des nanosatellites. Demain, nous allons faire quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire envoyer une quantité incroyable de nanosatellites dans l'espace. Il faut les faire fonctionner comme d'habitude, mais demain, il faudra aussi être capable de les récupérer proprement pour ne pas saturer l'espace. Et ça, c'est quelque chose de très important sur lequel nous travaillons aujourd'hui. CES Group a la capacité et la force de pouvoir travailler sur toute la chaîne de développement d'un satellite. En gros, nous sommes capables de faire des segments sol, c'est-à-dire des centres de mission, des centres de contrôle. Nous sommes capables d'exploiter des données qui descendent des satellites. Et aussi, nous sommes capables de nous situer à bord du satellite avec nos logiciels de vol et pour piloter donc les équipements des satellites. En gros, nos clients peuvent nous donner tranquillement un cahier de charge et nous leur sortons un produit fini. Ce que je dirais aux candidats, c'est que CES a une vision à long terme pour ses ingénieurs. C'est que nous avons une mobilité interne qui permet de travailler sur divers projets dans le domaine spatial. Et donc aujourd'hui, avec l'avènement des nanosatellites, le besoin d'ingénierie est très très fort. Et donc, si vous venez chez CES, vous aurez le regard tourné vers l'espace en permanence. C'est quand même un domaine très passionnant. Et qui dit nanosatellite aujourd'hui dit que vous serez au cœur des objets connectés. Et tout le monde sait aujourd'hui que c'est l'avenir. Venir chez CES, c'est l'assurance de travailler sur des projets technologiques innovants.